Salut tout le monde. La poste aérienne est la partie d'une administration postale chargée du transport des courriers par voie aérienne, avion, à partir de l'entre-deux-guerres en Europe. Plus coûteux, ce moyen d'expédition a justifié des vignettes postales et de timbres postes spécifiques. L'aventure de la poste par avion commence le 18 février 1911, durant une expédition internationale agricole, d'industrie et de transport en Inde, lorsque le français Henri Péquet transporta d'Allahabad à Naini Junction environ 15 grammes de courrier, soit 6500 lettres et 40 cartes postales, sur un avion biplan sommaire, parcourant les 10 km en 27 minutes. D'autres pays emboîtent les pas quelques mois plus tard. Le cas du Danemark le 2 septembre 1911, l'Angleterre le 9 septembre 1911, de Londres à Windsor, le Maroc le 13 septembre 1911, de Casablanca à Rabat, puis poursuite vers Meknès et Fès le jour suivant, l'Allemagne le 19 mai 1912. La première ligne régulière est tracée le 17 août 1918 sur le trajet Paris-Le Mans-Saint-Nazaire, plus précisément le Bourget à Escoublac. Le courrier aérien national américain a été créé en tant que nouveau type de service de courrier par le département des postes des États-Unis le 15 mai 1918 avec l'inauguration de la route Washington-Philadelphie-New York. Des timbres postes spéciaux ont été émis pour être utilisés avec ces services. Et dans cette vidéo, je vous présente 10 de ces timbres iconiques de la philatélie aérienne américaine, avec leur histoire, leur référence catalogue et leur cotation. Ce courrier aérien national est devenu obsolète en 1975 et le courrier aérien international américain en 1995. Le timbre catalogué par Scott a reçu une mention C pour les émissions de postes aériens à partir de 1940. Le timbre de 8 centimes de 1923, radiateur et hélice Hermel. Les premières routes de la poste aérienne entre Washington, Philadelphie et New York ont été couronnées de succès. Le ministère des postes a décidé d'étendre les routes vers les villes de l'Ouest. Les États-Unis étaient divisés en trois zones et les tarifs étaient déterminés en fonction de la distance parcourue. La livraison par avion pour une lettre d'une once voyageant d'une zone à l'autre était de 8 centimes. De nouveaux timbres de poste aérienne ont été émis pour répondre à la demande. La conception du numéro C4 était basée sur une photographie des radiateurs et de l'hélice d'un avion de Havilland. La quantité de pièces produites fut de 414 576 exemplaires. L'unité est vendue aujourd'hui, lorsque la feuille est neuve, à 85 $, 35 pour une feuille déjà utilisée et 1 000 $ pour une feuille sur enveloppe. Le timbre de 16 centimes de 1923, emblème du service aérien bleu foncé. La quantité produite est de 5 309 275 copies. Ce timbre illustre l'emblème du service postal aérien. Il a été émis pour couvrir les frais de port d'une lettre par avion d'une once ou moins pour une distance couvrant deux zones aux États-Unis. Sa valeur, 50 $ pour une pièce déjà utilisée, 150 pour un timbre neuf et 1 300 $ pour un timbre sur enveloppe. Le 24 centimes de 1923, avion de Havilland. 5 285 776 copies ont été imprimées. C'est un timbre carmin. Le biplan de Havilland est représenté dans ce numéro de poste aérien de 24 centimes. Cet avion a finalement remplacé le Curtis Jenny dans le transport du courrier. Ce timbre particulier a été émis pour assurer les paiements de vol de nuit de New York jusqu'à la côte du Pacifique. La valeur unitaire donne 1 700 $ pour une feuille sur enveloppe, 200 pour un timbre neuf et 50 $ pour un timbre déjà utilisé. Les graphes Zeppelin de 1930, $1.30. C'est un timbre brun sans filigrane avec une perforation 11. En 1930, une nouvelle émission de timbres post-aériens est annoncée. Ces trois timbres devaient être utilisés exclusivement sur les courriers transportés via Graf Zeppelin, sur ses vols européens et panaméricains. La quantité de pièces tirées fut de 93 536 copies. Leur prix marchande est de 300 $ pour un timbre neuf, 500 pour un timbre utilisé et 3 000 $ pour un timbre sur enveloppe.
Le Graf Zeppelin de 65 centimes vert de 1933. Il a aussi une perforation 11, comme la pièce précédente, connue affectueusement sous le nom de Baby Zepp en raison de sa valeur faciale inférieure à celle des deux autres timbres Zeppelin de la même série. Riche en histoire, Baby Zepp est un timbre rare avec un lien direct avec l'âge d'or des dirigeables et des grandes expositions universelles. L'un des timbres post-aériens les plus attrayants des USA, les Zepp verts, s'est mal vendu en 1933. Finalement, 90% de timbres ont été détruits, ne laissant que 324 000 copies pour les collectionneurs modernes. La valeur unitaire donne 800$ pour un timbre neuf, 600$ pour un timbre utilisé et 3000$ pour un timbre sur enveloppe. Les Graf Zeppelin bleus de 1930 de 2,60$. Même perforation que les deux pièces précédentes, 11. 61 296 copies ont été tirées. L'exemplaire est vendu pour 3 000$ sur couverture, 1 400$ un timbre neuf et 1 000$ pour un timbre déjà utilisé. Les 24 centimes Curtis Jenny de 1918. La loi du 6 mai 1918 autorise la poste à acheminer les courriers par avion. Cette décision a nécessité un nouveau timbre. Un timbre au design et à la couleur distinctif, un cadre rouge et une vignette bleue sous le papier blanc ont créé un numéro de poste aérien patriotique rouge, blanc et bleu, le 24 centimes Curtis Jenny. Le tarif de la poste aérienne a été fixé à 24 centimes l'once et c'est ainsi que le premier timbre de la poste aérienne est né. 2 134 888 copies ont été imprimées. Les timbres Jenny Bicolor de 24 centimes payaient les tarifs des premiers services de poste aérien qui étaient prévus pour commencer le 15 mai 1918, reliant Washington, Philadelphie et New York. La valeur individuelle aujourd'hui est de 100$ pour un timbre utilisé, 200$ pour un timbre neuf et 35 000$ pour un timbre sur cas vert. Les 6 centimes Curtis Jenny de 1918, 3 395 854 copies ont été imprimées. C'est un timbre orange. Les premiers timbres post-aériens ont été émis en 1918. Le service postal aérien américain est né cette année-là, lorsque deux petits avions Curtis Jenny de 90 chevaux ont décollé de New York et de Washington. En raison d'une boussole défectueuse, le vol de Washington a dévié de sa route, Maryland par opposition à New York. Mais le vol de New York était parfait et le service de poste aérien a commencé. Dans la dernière partie de 1918, le tarif de la poste aérienne a de nouveau été réduit. Les frais étaient de 6 centimes par once, éliminant les frais de livraison spéciale supplémentaire de 10 centimes du timbre précédent. La conception originale de la poste aérienne a été utilisée une fois de plus, mais la couleur unique est passée du vert sur le timbre de 16 centimes à l'orange sur celui de 6 centimes Curtis Jenny. La valeur unitaire bonne, 60$. Pour un timbre utilisé, 120 pour un timbre neuf et 42 000$ pour un timbre sur cas vert. Les 16 centimes de 1918 Curtis Jenny, 3 793 887 exemplaires ont été frappés. C'est un timbre vert foncé. Conformément à la nouvelle ordonnance en juin 1918, le tarif de la poste aérienne a été réduit à 16 centimes jusqu'à la première once. Cette charge comprenait des frais de livraison spéciaux et 6 centimes pour chaque once supplémentaire. Cet timbre de taux a pris un nouveau timbre qui reflétait le même design que l'original, mais a été réalisé en une seule couleur au lieu des 3. 16 centimes, Curtis Jenny foncé. Sa valeur, 100$ pour un timbre utilisé, 200$ pour un timbre neuf et 42 000$ pour un timbre sur enveloppe. À tout seigneur, tout honneur. Terminons cette vidéo avec l'iconique timbre 24 centimes Curtis Jenny inversé. Nous avons déjà vu ce timbre dans cette vidéo dans le lot des timbres produits titrés à 24 centimes Curtis Jenny. Quelques pièces se sont retrouvées inversées. Des feuilles ont été récupérées et détruites, mais malheureusement une feuille est passée dans la maille de la poste, constituée de 100 pièces. Cette erreur d'impression de timbre américain, la plus célèbre, s'est produite au bureau de gravure et d'impression à Washington, D.C. La semaine du 6 au 13 mai 1918, le timbre Jenny Bicolor de 24 centimes payait les tarifs du premier service de poste aérien qui était prévu pour commencer le 15
1918. Une feuille de 100 timbres avec une image à l'envers d'un avion bleu a échappé à la détection. Des biplans représentaient la conception et le célèbre Jenny 4H modifié en remplaçant le cockpit avant par un compartiment courrier. La feuille erronée, non détectée, a été vendue à William le 14 mai 1918 au bureau de poste de New York Avenue. L'heureux collectionneur l'a vendu à Eugene Klein, un marchand de timbres de Philadelphie, pour 15 000 $. Klein a à son tour vendu la feuille au collectionneur le colonel H.R. Green, qui l'a divisé en blocs et en singles, en a gardé quelques-unes et a vendu les restes. La découverte et le vente qui ont suivi ont reçu une énorme attention de la part de la presse. Le prix actuel est $1,150,000 pour une feuille parfaite et bien centrée. $500 pour la moins centrée. J'espère que vous avez maintenant une idée du passé de la poste aérienne américaine. Merci. N'oubliez pas de partager. À la prochaine pour d'autres aventures philatéliques.